analyser, en quelque sorte, événement sa capacité en Haïti autour de la personne de Guy Philippe. Et nous allons clarifier les concepts d'abord, et puis nous allons essayer de comprendre la dynamique. Tout d'abord, et dans le premier point, nous avons traité quatre conceptuels là, et nous allons définir les termes. Okay? Deuxième, nous avons avancé le problème là. Et puis, troisièmement, on a venu avec identifier piste de solution et envisager les moyens. Et puis, pour nous tirer en conclusion, pour nous voir à qui ça lui correspond, en quelque sorte, la démarche de Philippe. Cher Lavoumoi. Et il y a deux façons, en quelque sorte, mes chers amis, que le monde actuel, on a parlé de monde contemporain, dans la philosophie politique, il y a concevoir le monde qui a pris le pouvoir. J'ai dit, dans la philosophie politique du monde contemporain. Maintenant, il prévoit que ce soit prendre par voie que il estime qu'il est légitime aujourd'hui, c'est-à-dire voie démocratique à travers les élections, c'est-à-dire à travers ça les suffrages universels, ou à le poser candidat, la conquête du pouvoir, il se fait par voie, ça, démocratie. Et c'est une raison, en quelque sorte, qui fait l'Occident à prôner démocratie dans le monde, comme modèle de gouvernance politique, parce que, en quelque sorte, la conquête du pouvoir, il passait par voie électorale, que l'élite dominante, là, contrôlait le système électoral, d'effort, possibilité pour avoir une révolution qui fait, il va pas faire. C'est le premier élément pour nous considérer, d'analyser. Là, nous avons une démarche qui inscrit nos perspectives et de philosophie politique dans le cadre du monde contemporain. Ceci étant dit, Nexayo estime la seule façon pour nous conquérir le pouvoir de façon légitime, c'est la vision occidentale qu'a pour les Saguenayoudiens, c'est à travers les élections par voie démocratique, libre pour pouvoir pouvoir. Maintenant, il faut comprendre que ici, la démocratie, dans cette conception-là, ok, mais conception ça, c'est une réponse, en quelque sorte, avec l'ensemble des formes de conquête de pouvoir qui menaçaient pendant l'histoire de l'humanité, ça aurait été la classe dominante. Maintenant, lorsque la classe dominante a étudié dans toutes les sociétés qui ont existé comment on prend pouvoir, ils ont vu dans leur compte, meilleure façon pour éviter à ce que l'intérêt n'est pas menacé, c'est créer un mode de gouvernance que sont capables de contrôler. Et mode de gouvernance, ça que classe dominante puis toute classe capitaliste, non? C'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais, faut nous comprendre que, pas oublier, avant n'est-ce pas la démocratie, n'est-ce estimé que pouvoir là, son pouvoir monarchique, théocratique, c'est en l'air aussi. C'est-à-dire que légitimité pouvoir théocratique, ça, c'est dans le droit divin. Ok? La monarchie est le droit divin. Maintenant, ceci étant dit, n'est-ce pas que l'église, ou la religion, en quelque sorte, avec l'avènement de la raison, nous avons commencé à remettre en question les pratiques de l'église. Comme outil de légitimation de l'oppression de la monarchie sur le sujet, sur l'ensemble des sujets. À ce titre-là, ils ont rendu compte que ils ont menacé intérêt classe dominante là, menacé parce que l'Église ou bien la monarchie ou bien ou la religion, en quelque sorte, toujours font celle avec l'État pour oppresser le peuple classe défavorisée. Mais ils ont gardé en quelque sorte dans l'histoire que majorité révolte, soulèvement, qui fait, ils ont toujours menacé de rôle système. Tout système, non. Mais ils ont fini en formule pour pacifier révolte, pour canaliser l'énergie peuple là, l'énergie masse qui sentit en quelque sorte, doyauliser. Et c'est ça qui a inventé la démocratie. Maintenant, pour ne pas la démocratie à, comme modèle de gouvernance, il y a une justification historique, il y a remonté dans la Grèce antique, pour y avoir comprendre que la démocratie athénienne, comme modèle antique de modèle de gouvernance, pour y'a capable d'y'on, bah, légitimité historique avec la démocratie comme modèle de gouvernance. Maintenant, depuis, n'est-ce pas, la Grèce antique, Paratimadata, la démocratie athénienne, ou déjà, ouais, en quelque sorte, c'est pas l'Occident, je ne j'ai dit, hein, avec mon contemporain qui a une démocratie. Et là, c'est une pratique qui existait depuis bien longtemps dans l'histoire. Maintenant, faut le comprendre bien, c'est ça expliquer, l'on fait philosophie politique. Et pas tout bagaille, ouais, un professeur philosophie politique dit, pour prendre comme vérité absolue. Faut faire recherche pas en dehors du cadre référentiel que Yobawa pour capable à chercher est-ce qu'il n'y avait pas d'autres modes de gouvernance qui étaient accouchés stabilité, prospérité et qui étaient accouchés d'autres bagailles et positifs. Maintenant, il faut comprendre l'enjeu ici. C'est pas que travail quatre pètes là ou bien j'en ai contre pouvoir dans l'antiquité albat. Bon, mais n'est-ce besoin d'un modèle que y'a besoin de contrôler. Parce que à travers la démocratie, la conquête du pouvoir est contrôlée par l'euro. La conquête du pouvoir est contrôlée par la classe possédante, par la bourgeoisie, par les capitalistes. Pour quelle raison? Parce que leur propre candidat,
C'est eux-mêmes en quelque sorte qui ont les moyens économiques. C'est eux-mêmes qui ont financé l'élection. C'est eux-mêmes en quelque sorte qui ont bord, qui contrôle l'appareil idéologique, qui ont voyé dans la radio pour parler. C'est eux-mêmes qui ont bord comme pour mener campagne. En quelque sorte, la classe dominante, l'élite possédante, ils mettaient même, ils ont fait même mise sur la conquête du pouvoir et la prise du pouvoir et la conservation du pouvoir à travers des mécanismes que ils mettaient en place, que jugeaient nécessaires, qui peuvent menacer intérêt, qui peuvent menacer statu quo, qui peuvent menacer en quelque sorte stabilité en dedans société. C'est ça qui fait qu'on prenne l'extérieur avant nous démocratie. Parce que c'est le modèle le plus approprié aujourd'hui pour conserver, en quelque sorte, l'hégémonie et la dominance de la classe possédante, la classe capitaliste bourgeoise. Maintenant, ceci étant dit, il faut comprendre, c'est une façon pour canaliser l'énergie de frustration du peuple-là. Il faut comprendre, pour fâcher ou frustrer, ou sentir doit léser, il faut aller dans les urnes, il faut qu'on boucle et lisser. Maintenant, comment ça fait? Selon une analyse marxiste, la société capitaliste, en quelque sorte, bourgeoise, on va parler de ça, on a une lutte des classes. Mais à partir de ce qu'on appelle la propriété privée et ce qu'on appelle la concentration des moyens de production entre les mains d'une minorité possédante, il va déterminer en quelque sorte deux catégories antagonistes dans la société. De côté, vous avez les gens qui ne possèdent pas. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui possèdent l'ensemble des ressources. Deux classes, ça, en quelque sorte, on va entrer dans une dynamique antagoniste, yon face à l'autre, mais en quelque sorte, le prolétariat, selon le langage, est utilisé par Karl Marx, pour avoir nécessité pour organiser lui, pour capable accoucher ce qu'on appelle la révolution prolétarienne, à travers la conquête du pouvoir, et le rétablissement de l'état prolétarien, la dictature prolétarienne, pour accoucher ce qu'on appelle un modèle, une nouvelle société plus juste, sur la base de la conquête de la justice sociale. Maintenant, l'enjeu ici, c'est que le système capitaliste, les capitalistes, la classe capitaliste a compris l'enjeu est de taille pour les intérêts capitalistes. Après plusieurs tentatives, pour yon contrecarré révolution prolétarienne, révolution communiste socialiste dans le monde, yon vin avec yon idée géniale dans l'histoire de la philosophie politique. C'est l'idée géniale de la création d'une nouvelle classe intermédiaire qu'on appelle la classe moyenne. L'idée de la classe moyenne, c'est en quelque sorte les intellectuels capitalistes qui mettaient au service de la classe capitaliste, qui va venir inventer nouvelle classe ça, en quelque sorte, qui va servir comme écran et bouc émissaire, bien entendu, à classe capitaliste bourgeoise là, vis-à-vis de la masse prolétarienne. Maintenant, là où vous les révoltez contre la classe dominante, ils ont utilisé une classe moyenne, ils ont mis en présence où? Et classe moyenne ça, c'est lui-même qui jouait wall book émissaire, c'est lui-même qui jouait wall écran qui pour empêcher révolution faite en dedans société contemporaine moderne. Alors, il faut comprendre que le génie capitaliste qui a inventé la classe prolétarienne, c'est un travail extraordinaire. C'est une invention qui est plus extraordinaire, qui explique en quelque sorte la consolidation de la classe capitaliste dans le monde, je ne le dis. Et c'est une bagaille qui explique, je ne le dis, si vous avez besoin de faire des changements sociaux dans la société, si vous avez besoin d'accoucher une nouvelle société, il y a une classe qui peut faire face à elle qui est plus dangereux dans la société, ça, c'est la classe moyenne. Maintenant, les gens parlent de conquête du pouvoir, il y a un concept toujours utilisé dans le monde occidental qu'on appelle la violence politique. La violence politique, c'est l'usage de la force pour conquérir, en quelque sorte, le pouvoir. Et la violence politique, dans les sociétés occidentales, capitalistes, ils ont condamné la violence politique. Pour quelle raison? Parce que ils ont prôné la violence politique comme forme, moyen de conquérir le pouvoir, le contraire avec l'idée de démocratie. Maintenant, ceci étant dit, moi, énumère pour nous l'ensemble des formes de violence politique pour la conquête du pouvoir. Ok? Premier outil pour capable conquérir bataille pour participer dans la politique, c'est à travers la rébellion. Ok? La rébellion, c'est une forme de, en quelque sorte, participation politique pour conquérir le pouvoir. Maintenant, avant la rébellion, bonne forme que nous avons inventée, il y a le mahonnage. Le mahonnage, c'est pas une forme de participation, mais c'est une forme de résistance par rapport avec le système en place établi. Ok. Ou vingé, ce qu'on appelle soulèvement général après la rébellion. Ou qui doit rebeller, mais ça ne veut pas dire pour autant l'objectif ou c'est la conquête du pouvoir. Ça t'est arrivé Guy Philippe en 2004. Guy Philippe révélé contre le régime la Lavalas, mais Guy Philippe, pour qu'on ait maturité spirituelle, pour comprendre que il est capable de conquérir, il est capable de saisir le pouvoir, parce que il se pour qu'on ait maturité spirituelle, maturité politique pour ça. C'est une erreur qui cause qu'il a fini en prison. Maintenant, il faut comprendre que l'homme fait ça ou les rébellions, il n'y a pas le barré là où tu as rompu devant, parce que rébellion ne veut pas dire pour autant ou rébeller contre l'autorité. Mais rébellion par vrai dit qu'on a besoin de pouvoir.
On ti moun ka rebelle contre papa. On ti moun ka rebelle contre l'autorité maman. Yo rele le rebelle, la faire rébellion. Mais ça pas veut dire pour autant que le besoin prend pouvoir ou bien le besoin remplacer papa. Maintenant, il faut comprendre que le cheminement de la conquête du pouvoir est plus grand, est plus long parce qu'il y a une simple rébellion. Maintenant, un soulèvement général. Vous passez de rébellion à soulèvement général. Un soulèvement général, contrairement à rébellion, qui lui même limité en groupe individu, armé, pour prendre, pour contester contre le pouvoir, ou bien renverser le pouvoir sans pour autant prendre le pouvoir, le soulèvement général lui-même, en quelque sorte, lui visait, qui ça? Lui visait le pouvoir, mais en réalité, les mécanismes pour arriver, prendre le pouvoir, lui chita sous le peuple. Or, le peuple, pas qu'à prendre pouvoir. Pour qui raison? Le peuple, ou pas qu'à diriger avec le peuple. Ou pas qu'à diriger avec le peuple. En d'autres termes, ou capable d'utiliser un mouvement général, ok? T'as bien, ou capable d'utiliser un pouvoir et un mouvement général pour capable conquérir le pouvoir. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'on remettait en question le système. Mouvement général, pas jamais en quelque sorte, renverser le système. Mouvement général, toujours attaquer symptômes. Mouvement général, toujours attaquer et phénomènes. Mais mouvement général, pas jamais accoucher, ça a relé le chambardement du système. Voilà, donc, là, tout ça. Et c'est ça t'expliquer, tel Bookman coupé, parce que Bookman défend un mouvement général, le soulèvement général, qui va accoucher avec une révolution. Maintenant, où gagnez ça a relé guerre civile? Guerre civile, en quelque sorte, c'est le fait que le problème identifié dans la société, vient mettre en évidence différents types de catégories, groupes ethniques, groupes religieux, groupes blancs milates, et guerre civile. Ça, c'est que les deux camps armés, il y a bataille pour la conquête du pouvoir. Pour le Québec, pour le contrôle l'État. Ça, l'idée, ça, c'est guerre civile. Ça va démentir la donne. Guerre civile, non, c'est que, une fraction dans la société a décidé de prendre les armes. Il n'y a pas rébellion, non? Mais attention, guerre civile, il n'y a pas rébellion. Guerre civile, parce que guerre civile involve population, armée, deux groupes différents armés, mais il y a bataille pour y exterminer l'autre groupe-là, et puis pour y prendre contrôle de l'État. Maintenant, gagnons coup, gagnons qui vivent, et puis loin, il y a les coups d'État, en forme de violence politique. Coup d'État, il est toujours orchestré par le système. Oh, professeur dit ça. T'es dit ça encore. Coup d'État, par exemple, fait contre système. Coup d'État, toujours orchestré par le système qui paraît aimer Jean-Gouvernement à fonctionner. C'est toujours la classe dominante qui bat coup d'État dans la société, dans le pays. Depuis qu'on coup d'État qui fait, c'est toujours classe capitaliste là, qui fait coup d'État toujours sortir en l'air, coup d'État, par exemple, sortir en bas. Coup d'État, c'est toujours la classe dominante. Ok, le système qui, en quelque sorte, par aimer décision politique que le gouvernement apprend, ok, qu'on y a là, il utilise force régalienne, yo, c'est-à-dire il prend au état-major l'armée yo, pour bailler coup d'État, ok, parce que mettre système dans senti intérêt li menacé. Ça, c'est coup d'État. Il y a deux acteurs qui toujours, en quelque sorte, bailler coup d'État dans le monde là. C'est communauté, c'est ça nous l'Occident, ça nous les États-Unis, Canada, ils toujours bailler l'autre pays coup d'État. Et c'est toujours et classe dominante là, qui a intérêt li en jeu. Qui toujours utiliser une fraction dans l'armée, institution ça pour bailler coup d'État. Coup d'État toujours, coup d'État sont forme de violence politique pour prendre pouvoir. Maintenant, mais coup d'État parler contre le système. Au contraire, c'est le système qui cap jouer game ni, OK, qui protège tête li à travers un coup d'État. Maintenant, on a la forme de violence politique qui fait pour la conquête du pouvoir. L'assassinat. L'assassinat en quelque sorte, il va forcément un coup d'État. Ou qui doit assassiner, yo qui doit assassiner un président, mais ça ne veut pas dire pourtant c'est coup d'État. Ça va dépendre, parce que soit assassiné au président, mais équipe président dans ce ciel-là, campé, qu'il est la reine du pouvoir, il va couper. Il y a des gens qui vont dire, ressorti là. Ça me dit assez bien. Je vais le dire, ça me dit là. Je vais l'expliquer pour nous. Les gens venaient l'assassiner, les assassinés journels, il y a beaucoup d'État. C'est une violence politique qui fait. Il y a beaucoup d'État. Pour qui raison beaucoup d'État? Parce que si Claude est premier ministre, il y a assassiné journal, pouvoir nommer équipe journal là. Si pouvoir nommer équipe journal là, c'est que pourquoi il y a coup d'État? Gagne un assassinat politique, mais le pourquoi accoucher coup d'État? Est-ce que bien, ça m'a dit là bien pour nous comprendre? Le fait que yo assassiné président Jovenel par dit coup d'État, parce que pouvoir était nommé partisan Jovenel. D'accord, puisque pouvoir était nommé partisan Jovenel, ou pas qu'à parler de coup d'État, ou qu'à parler de assassinat politique qui fait, mais qui pourquoi arriver dans le stade coup d'État? Est-ce que vous avez dit? Maintenant, qui est pour arriver dans face coup d'État? Qui est-ce qui prend coup d'État? Qui va concrétiser coup d'État? C'est le premier ministre Claude Joseph bail Ariel pouvoir. C'est le ça, Livine. Tourner coup d'État. T'es prêt à dire ça me dit là? Nous passons de yon assassinat politique à yon coup d'État. Assassinat politique, hein? Yon assassiné président, mais pourquoi coup d'État? Pourquoi coup d'État? Parce que tout nèg qui était avec Jovenel, tout
partisans Jovenel, premier ministre, gouvernement Jovenel, yo, yo, qui pouvoir nommer yo. Toujours. Et là, dire que, ou pas qu'à parler de coup d'État. Ok? Maintenant, coup d'État, attendez bien, coup d'État, vini, du moment où Claude passait pouvoir à Ariel. Maintenant, son coup d'État voulu. Maintenant, pour quelle raison les problématiques? Les problématiques parce que, en réalité, c'est Claude qui finalisait coup d'État. T'aimerais dire ça, m'gala. L'hypothèse quoi de face coup d'État? C'est Claude, l'el bail pouvoir, qui finalisait coup d'État. Ok? Qu'on y a là, n'est-ce qu'on assassine les journal, et puis qu'on y a eu prend pouvoir, ou qu'il doit assassiner un président, mais on pas prend pouvoir. Ou qu'il doit assassiner le président, mais on pas conserver pouvoir. Maintenant, n'est-ce qu'on assassine les journal, après une période de temps, y'a joué dans tête Claude, y'a manipulé l'opinion publique, y'a manipulé les appareils idéologiques, et puis y'a utilisé pression sur Claude, fait Claude dans l'acheter lui, bail pouvoir, pour finaliser coup d'État. C'est ça? Coup d'État. Maintenant, nous arrivons avec femme, bagay qui pille important, c'est ça, y'aurait révolution. Et ce concept, ça, besoin nous venir, je ne veux dire. Pas oublier, moi parler de rébellion, moi parler de soulèvement, moi parler de maronnage, moi parler de guerre civile, moi parler de coup d'État, moi parler de soulèvement général. Maintenant, moi parler traiter ce qu'on appelle révolution. Où qu'il y ait un rebelle, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont révolutionnaires. Maintenant, nous parlons de la différence qui vient. Prêtez attention bien. Prêtez attention bien à ça, m'a dit là. Début d'une révolution, il y a trois phases pour considérer. L'avant, pendant et l'après. Au prof, ça dit là. Nous remarquons que nous avons utilisé trois éléments à haut. Nous avons analysé le premier concept. Début d'une révolution, il y a trois phases pour considérer. L'avant, phase préparatoire, phase préliminaire, mais c'est le plus important. Et deuxième phase là, c'est pendant, c'est-à-dire la consolidation de la révolution. Voilà, l'offre pour pouvoir. Et puis troisièmement, l'offre consolider pouvoir où qu'on y a ou tombé dans la phase où elle est transformation de la société pour accoucher une nouvelle société de besoin. Mais attendez ça, et m'a dit très 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 bien. Prenez attention. Pour nous comprendre, démarche, dit Philippe Lam, et dans forme de pou, de forme de violence politique, ça, ou, qui option dit Philippe, gagne en main. Est-ce que dit Philippe son rébellion va faire? Est-ce que dit Philippe son coup d'État, lui qu'on fait? Est-ce que dit Philippe son guerre civile, lui débouche, lui qu'on fait? Est-ce que dit Philippe inscrit tête non perspective de soulèvement général? Ou bien est-ce que dit Philippe inscrit tête non perspective de révolution? Révolution, toujours visée à renverser le système en place, la société que nous gagnons telle qu'il est, et pour capable accoucher une nouvelle société, un nouveau système. Maintenant, pour nous comprendre bien, tout d'abord, ce qui est important, avant de nous garder les possibilités, nous avons gardé qui problème qui gagne dans la société. Et ces problèmes, nous avons identifié problème dans bien, c'est lui qui dit, en quelque sorte, qui solution qui plus appropriée pour type de problème que nous avons. C'est vrai que ça me dit encore. L'infini identifié problème, nous allons garder, dans ça nous présenter là, rébellion, coup d'État, guerre civile, assassinat, et soulèvement général, révolution, qui ça nous forme ça yo, qui plus approprié pour capable, en quelque sorte, résoudre le problème que nous gagnons là. Maintenant, prêtez attention. Qui problème qui pose actuellement là, en dedans société haïtienne? Nous allons faire un panorama pour nous du problème qui présente. Les n'a parlé de problème, il y a deux façons de traiter le problème présenté. Il y a un problème qui caractérise de façon symptomatique, il y aurait les problèmes ça yo, phénomène. Prêtez attention à ça, m'a dit là. Il y a des problèmes qui présentaient Baou de façon symptomatique. Problème ça, yo, l'a identifié yo, ou identifié yo comme phénomène. Par exemple, insécurité. Insécurité sont symptômes. Insécurité, pas cause. Insécurité sont effets. Insécurité, en quelque sorte, c'est un phénomène. Corruption. Corruption, c'est un phénomène. Corruption, c'est un phénomène. Corruption, c'est un symptôme d'un système qui pourrit. Côté valeur morale, yo. Et effrité, ok? Côté cadre référentiel, valeur morale et spirituelle est effrité, c'est normal pour accoucher corruption au plus niveau, au plus haut degré. L'insécurité, c'est normal lorsque le système n'a pas valorisé la vie, c'est normal pour lui déboucher sous sa relève insécurité à cause, en quelque sorte, les conditions socio-économiques pas réunies pour pallier à déficience ça qui pourrait mettre mon petit jeune garçon, jeune femme dans situation côté que yo obligé d'utiliser yo à des fins pour commettre des crimes, gangs, et créer ça, on est phénomène de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Il ne faut pas confondre
un phénomène, un symptôme avec une cause profonde, un problème. Et deux bagages différents. Un problème qui doit un effet, un problème qui doit une cause. Si on prend comme effet pour problème, solution pas durer. Mais si on prend cause comme problème, solution apporte à cause, la bon caractère radical, la bon caractère transformateur, la bon caractère de changement radical, c'est laisse ça, la va résoudre effet. Soit attaquer à effet, il va bon. Attaquer à effet, vous dire en quelque sorte que vous acceptez cause là. Que cause là, c'est pas lui qui est fait. C'est-à-dire ou nier ce qu'on appelle la causalité, le lien déterministe qui existait un effet avec cause là. Parce que si vous prenez effet comme problème, ou quitter cause là, c'est que vous négligez le lien qui existait, le lien causal de causalité qui existait entre cause là et effet. Ça, très important pour nous comprendre. Maintenant, si nous disons, après gouvernement, hein, a bien même discours avec Guy Philippe. Gouvernement a dit comme ça, oh, insécurité, hein, n'a pas combattu l'insécurité. Oh, corruption, n'a pas combattu cette corruption. Après, discours, hein, c'est sous phénomène, non. Mais l'autre de Guy Philippe. Guy Philippe dit, pays a pas comme ça, il y a un problème de sécurité, il y a un problème de corruption, qui problème pays a. Ou est, il y a un problème quelque part. Parce que focus, non, c'est sous phénomène, non, lié, il n'y a pas sous cause, là. Et discours, ça a une similarité, parce que discours, ça a ni bon côté gouvernement Ariel là, ni bon côté camarade Guy Philippe, ils ont adressé à phénomène, mais ils ont pas adressé à cause là. Et ils ont raison pour ça. Donc, ouais, ils ont raison d'expliquer ça. Ceci étant dit, si c'est le phénomène ou adressé, solution à différent. Mais si c'est cause là ou adressé, solution à différent. Maintenant, dans le langage technique, il y a des gens qui parlent de cause structurelle, il y a des gens qui parlent de problèmes conjoncturels, gens qui parlait de problèmes structurels. Nous t'en parler de ça. Oh oui, les nègres fait analyse. Le petit problème pays a gagné son problème structurel. C'est-à-dire, cause profonde, cause problème pays a, li, c'est pas conjoncturel, c'est-à-dire, c'est pas phénomène, yo, mais cause, non, c'est cause structurelle, c'est-à-dire, cause beaucoup plus profonde, yo, systémique, parce que yo, attaché à système, non. Mais, ou après, nègres, ça, yo, c'est discours, yo, gagné. Parce que pour attaquer en cause profonde, en cause structurelle, ou pas qu'à attaquer, ou pas qu'à résoudre, même, yo, résoudre, yo, problème conjoncturel. Ou pas résoudre, problème structurel, par politique publique, ça va faire. Ou pas attaquer un système pour résoudre le problème ni avec politique publique, ça va exister. Parce que ça va exister. Ben, nous deux. Ben, pour du politique publique, vous voulez du côté du pouvoir. Faut du pouvoir, non, public. Et vous contrôlez l'État. Mais vous contrôlez l'État. L'État fait partie du système, non. L'État, c'est l'acteur du système. Maintenant, comment on va utiliser l'État pour combattre le système, non? C'est là en pile d'être piégé. C'est là en pile d'être piégé. Aristide piégé là. Jovenel piégé là. Et en pile politicien qui prend pouvoir piégé. Piégé là. C'est soit on va abandonner le dossier là. Ou qu'on baisse ou quitter le système là. J'en ai là. Ou bien, on va essayer de changer le système là. Avec l'État. Ou mourir le système là. Mais tant que tu vas dire, oh, pour sortir là, il ne faut pas confondre les choses. L'État, c'est ce qu'on appelle une superstructure. L'État n'est pas le système. Au prof, sorti là, dès qu'il y a confusion dans Bueno. L'État, c'est quoi l'État? L'État, c'est l'espace dans lequel le pouvoir t'a supposé exercer. Le fait de pouvoir exercer dans l'État ne veut pas dire pour autant que l'État, c'est le pouvoir. Prof, là, qui sorti là? M'a prédit encore. L'État, c'est le lieu où le pouvoir est exercé. L'exercice du pouvoir n'est pas synonyme aux sources, à source de pouvoir. Des gens qui confondent le fait qu'on va exercer le pouvoir. Vous voulez dire que vous êtes sous pouvoir. Et bien ouais, sous pouvoir, c'est lui-même qui baille autorisation pour pouvoir exercer. L'État, en quelque sorte, en tant que superstructure, c'est le lieu où le pouvoir est exercé, mais la source du pouvoir, c'est l'infrastructure. Ce sont ceux qui contrôlent, qui détiennent les moyens de production, qui contrôlent les moyens de production, qui possèdent l'infrastructure, c'est eux-mêmes qui ont le pouvoir réel là. Ah, gale. L'État n'est pas le système. Et si monsieur en Haïti, et yo pour nous courir là, ou pas qu'arriver dans l'État pour dire que vous avez vu des systèmes à terre. C'est pas vrai. Parce que l'État en tant que superstructure, l'Ichita sur une infrastructure qui est belle. Infrastructure, ça, c'est lui-même en quelque sorte que minorité capitaliste bourgeoisie au Kembe. C'est l'autre qui est pour l'État, c'est l'autre base là. C'est l'autre qui est pour pouvoir. Et c'est ça que je vous ai mis compte. Les gens qui ont dans l'État,
Jovenel a exercé pouvoir, mais Jovenel pas de pouvoir. Oui, oui, oui. T'es prêt à dire ça, Miguel? C'est ça le problème. Jovenel a exercé le pouvoir, yo bali. Exercé, c'est la superstructure, mais Jovenel pas de pouvoir en tant que source. Et c'est ça où va l'apprendre, Jovenel. Système normal vide, monsieur à terre, parce que système là, c'est lui-même qui infrastructure, qui permet pour l'État exister. À ce titre-là, mes chers amis, Jovenel, rendu compte l'idée, lui dans l'État, l'a exercé pouvoir sans pouvoir. Sans que l'on pouvoir. Parce que à chaque fois, lui décide, lui voulait faire un bagaille, système normal résistance. À chaque fois, lui utilise l'État pour le vider, pour le manger système non, oui, Marie, que c'est lui qui a le pouvoir. Comment système non, oui, Marie, qui a le pouvoir? C'est exercer ou mal exercer pouvoir, le pouvoir. Système non mobilisé. L'ensemble des autres infrastructures, les autres superstructures qui entouraient l'État comme infrastructure, comme superstructure. Pas oublié. Là, nous parlons de superstructure. L'État, c'est superstructure. L'État, c'est une superstructure que système non, infrastructure non mettait en place. Mal bon exemple. L'église, c'est superstructure liée. L'école, c'est superstructure. Et les médias, c'est superstructure. Comment t'as pas dit là? L'État, c'est superstructure. Mais faites très attention. N'est qui te contrôle infrastructure, yo contrôle superstructure. Et yo créé superstructure ça yo autour de l'État pour yo capable contrôler l'État. Yo utilisé l'église comme superstructure, yo utilisé l'école comme superstructure, yo utilisé média yo comme superstructure et puis ça fait yo utilisé droit humain, organisation droit humain comme superstructure pour yo constituer ce qu'on appelle société civile de façon à ce que yo contrôler comment l'État ça va exercer pouvoir que yo va lien. En réalité, l'État va des pouvoir, oui. Dans une société capitaliste, socialiste, dans une société capitaliste, l'État va des pouvoir, oui. L'État, c'est une traduction de la volonté de la classe dominante. Les Jovenel dans l'État, Jovenel dans l'État là, mais l'État, regardez bien, mais l'État dans mi-temps, wanda. Jovenel là, ça c'est l'église, ça c'est l'école, université, ça c'est droits humains, ça c'est appareil idéologique. Tous les quatre saillots, ce sont des infrastructures, des superstructures que sous pouvoir, qui c'est infrastructure, utilisé pour contrôler l'État. L'utiliser université, l'école, l'utiliser l'église, l'utiliser média, l'utiliser société civile pour contrôler l'État. Maintenant, l'arrivée là dans tête l'État, vous pensez que vous pouvez chambader système non qui c'est ça? Vous pensez qu'on chambader système non qui c'est ça? C'est-à-dire que vous pouvez contrôler l'ensemble du système pour chambader, et bien qui ça passe là? Mais ça ne passe là. Et ça arrive les journaux. Les journaux ne rendent compte. Libre de changer. Condition, système non, tout bagaille, qui ça journaux le gardé? Lui ou à l'église levé dans le monde. L'aile gardé, lui ou à l'église levé dans le monde, lui voyez le pire. Lui ou à média levé dans le monde. Oh, l'aile gardé, boum! Mouvement étudiant, levé dans moudal. Boum, l'aile gade, li wè, douazime, société civile, levé dans moudal. Maintenant, qui ça vous fait? Infrastructure, qui contrôlé par classe dominante, là, activé les appareils idéologiques, superstructurels, qui entouraient l'État, pour yon capable de neutraliser l'État. Mais là, les gens disent là. Pour yon capable neutraliser l'État, pour l'État pas attaquer le système, là. L'air neutraliser l'État sorti pour faire résistance. L'État poussé à gauche, l'église baril. L'État poussé à droite, société civile baril. L'État poussé à l'est, université mouvement étudiant baril. L'État poussé à ici, média baril. Mais d'abord, l'autre outil aussi, que n'a parlé après, qui c'est, ça y aurait les communautés internationales là. Ok? Qui fait partie aussi de superstructure là. D'ailleurs, quand il y a ça qui s'est passé, la vie s'y est gardée, il va tout porter le bouger. Tout connaît le bouger, yo baril, l'église baril, l'université baril, média baril, société civile baril, communauté internationale baril. Qu'on y a pas qu'à faire changement de système n'a été intact. Qu'on y a qui ça m'y fait? Ça m'y fait, monsieur dit, ah, t'es mal adressé directement avec peuple là. Problème qui gagne. Les gens viennent dire, t'es mal adressé avec peuple là. Parce que peuple là, lui-même, lui là, lui dans tout, en dedans là. Ça passe, monsieur l'a dit ça. C'est que, ça, je viens oublier, c'est que, ça l'est le peuple là. C'est l'église, média, société civile,
Et droits humains, l'école, c'est eux qui contrôlent le peuple. C'est eux qui contrôlent le cerveau du peuple. L'école contrôle le cerveau du peuple. L'église contrôle les consciences du peuple. Médias contrôlent l'opinion du peuple. Société civile contrôle votre peuple. Et puis, s'entendez à tout, communauté a contrôlé les bagages. Ça veut dire, les gens venaient arriver. Jean-Gaël dit, bon, ben la pire sous peuple là. Pour peuple qui a aidé l'État, pour l'État capable d'accoucher, changement de l'accoucher dans le système. Non. Les gens venaient regarder, lui, c'est même peuple ça, qui appareil ça, utilisé pour lever dans le monde. Même peuple là. Même monde qui a dit vive Jovenel, c'est même eux-mêmes qui n'ont la rue qui a dit abat. C'est même eux-mêmes qui n'ont la rue à faire manifestation. C'est même eux-mêmes qui a dit si Jovenel va aller, si Jovenel va aller, qui est supposé manipuler? C'est ce système non, qui utilise l'église catholique, qui utilise les protestants, qui utilise les médias, qui utilise la société civile, qui utilise les universités pour yo manipuler le peuple contre l'État. Vous avez des cata. Maintenant, la mission est arrivée là, il rend compte. Toutes les parlé avec le peuple, c'est avec un monde sous de la palais. Bon, peuple, si nous pas levé, peuple, si nous. Peuple a été bekeke. Ça, Jovenel pas conscient. Jovenel pas conscient que l'esprit peuple, conscience peuple, votre peuple déjà en bas griffe système. T'aimerais bien ça me dit là. Ça, Jovenel pas conscient. C'est que l'esprit peuple, votre peuple, conscience peuple qui est enfermé en bas griffe système. L'esprit peuple, contrôlé par l'église, par l'école, université, avec médias. Conscience peuple, contrôlé par l'église catholique avec protestants en dedans pays. Qu'on y a la votre peuple là, les contrôler par ce qu'on appelle société civile. Société civile, c'est et société mon cap bay travail qui entreprise cap bay comme cap bay mon travail qui demande dans société. Therefore, les gens n'ont ni compte. Ils va pas faire rien là. Jovenel dit ouais couler cette tête là. Ils veulent pas faire rien là. Jovenel n'ont ni compte, ils vont pouvoir non même. Qu'on y a Jovenel arrive nombreux, ils commencent à péter coquet. Ils commencent à blaguer tout bagarre dehors. Oh nèg avec constitution non mais yo pour le marché parce que ça fait Jovenel vient utiliser une technique. Côté que, il invite le peuple à venir poser une question dans le palais national pour diffuser des fois pour voir si là ouvert le peuple. C'est-à-dire, monsieur vient de composition, côté que la bat pour le contrecarrer les appareils idéologiques et infrastructurels du système. Maintenant, ceci étant dit, technique de communication ça, pour voir si la réveiller conscience peuple là, qu'on a invité, moun vient poser question, une balle question vle, ceci, cela. Jovenel rend ni compte que travail ça pas qu'à marcher pour qui raison, parce que système non solide en pile. Maintenant, les Jovenel rend ni compte. Bagage ça pas qu'à marcher. Jovenel a derrière utiliser le droit. Ça veut dire le droit. Là, utiliser les instruments de droit pour attaquer les intérêts par le droit. T'as bien, oui? Les gens ont regardé la communication, pas marcher. Monsieur, pour la poutre, monsieur a utilisé le droit. ULCC, ok, pour attaquer intérêts. Maintenant, c'est affaire autant de, oh oui, son génère est dans le tribunal avec l'État. C'est-à-dire, il a attaqué intérêts, non, devant la justice, dans le droit. Maintenant, c'est là le problème va commencer. C'est là le problème va commencer parce que la justice n'est pas indépendante. Maintenant, qui ça peut le passer? Les messieurs utilisent le droit pour attaquer intérêt net dans le système, non? Décision, ordonnance juridique, il y a des forces de droit. Maintenant, ce général fermé, c'est si c'est la balle fermée, eh bien, mais ça ne parle pas si là. Qu'on y a là, nous pouvons assister avec un coup. Qui coûte pas l'assister? Qui coûte pas l'assister? N'est-ce qu'on rend compte? L'église fait manifestation, société civile fait manifestation, les étudiants, mouvement étudiant fait manifestation, et tout le bagage fait manifestation, yo pas qu'à vider journée là. SDP, pas qu'à vider journée là. Média yo, pas qu'à vider journée là. Qui ça n'est-ce fait? Et n'est-ce qu'on yo pas journée à utiliser le droit pour attaquer intérêt yo. Ça n'est-ce fait? N'est-ce qu'on utile, voyez derrière, mercenaires. Tenez, yo voyez derrière, mercenaires. Étranger. Mercenaires, ça yo. Avec pour objectif assassiner Jovenel. Mais attendez bien. Objectif là, c'est assassiner Jovenel. Maintenant, posez-vous une question. C'est Jovenel qui est le vrai problème, non? Si Jovenel était une équipe avec elle, n'est-ce que tu as mangé toute l'équipe là avant de sur Jovenel? Tu me dis ça me dit encore. Là, n'est-ce que derrière mes scénarios pour venir assassiner Jovenel? Il y a un bagage clé sous lui. Yo clair que Jovenel, tout nèg qui avait Jovenel, yo pas avec Jovenel. T'aimerais dire samedi là. Les nèg yo al derrière, mais ce nèg yo pour venir manger Jovenel. Gagnon bagaille que nèg yo convaincu de lui. Yo conscient que tout nèg qui entoure Jovenel yo yonne pas avec Jovenel. Maintenant, comment on va faire? Comment on va faire ça? Depuis nèg yo te garanti. Yo te convaincu. Gagne deux ou trois nèg qui dans gouvernement qui avait Jovenel 100%. Je t'ai mangé ça avant de résoudre. Tu me dis ça me dit encore. Tu me dis ça me dit là. Depuis Nagio, tu as garanti 100%
qu'il y a au moins deux ou trois nègres qui avec Jovenel. Yo t'a tué trois nègres ça yo avant yo arriver sur Jovenel. Tenez ça me dire là. Nèg yo gen garanti 100% que pas bon nèg qui t'a empêché yo manger Jovenel. Ah! Guys! Guys! Nèg yo clair sur ça. Yo clair que pas gen yon nèg dans gouvernement Jovenel là. Qui a empêché yo manger Jovenel. Yo garanti ça. Gabi. Non seulement yo garanti nèg yo pas empêché yo manger Jovenel, assassiner Jovenel. Yo garanti aussi. Même là yo fin tuer Jovenel, nèg yo pas avant. Ah, nous pas avant. La branche. T'as dit. Nèg yo garanti. Ni avant yon assassiné Jovenel. Pas yon nèg dans tout à Jovenel qui a empêché yon assassiné Jovenel. Et nèg yon garanti. Même là yon fin assassiné Jovenel. Pas yon nèg qui était dans tout à Jovenel qui a empêché yon pour pouvoir. Yon garanti ça. En garde yon noue. Jovenel met au gouvernement sous pied. C'est Jovenel qui mourit en tant que président. Pas yon ministre qui mourit. T'es mouret si ça me dit encore. Nèg yo tellement de garanti. Yo ka manje Jovenel. Pa gen yon bal ka pati. Pa gen yon katouche ka pété. Pa gen nèg ki ka barre route li. Route yo. Yo tellement de garanti ça. Yo fin manje Jovenel. Même yon ministre pa perdi la ville. Même yon directeur général pa perdi la ville. Même yon sécurité pa perdi la ville. Même yon green bal pa pati. Ouais. Ouais garanti nèg yo gen. Pour manger un président. Tendez. Est-ce que nous avons garanti les classes politiques qui ont gagné pour manger un président? Ça l'a dit. Pigou en danger, c'est pas les qui mangent Jovenel, non? C'est les qui t'ont entouré Jovenel, qui pas qu'à défendre Jovenel. Qui pas qu'à Jovenel. T'aimerais que ça me dit, là. Pigou en danger qui cause Jovenel mourir. C'est pas les qui ont entré à l'assassiner Jovenel, non? C'est pas pour qui monte complot, non? C'est moun qui était dans vie avec Jovenel. Qui était supposé avec Jovenel. Qui était supposé à protéger Jovenel. Qui était supposé mourir avant Jovenel mourir. Net sa yo. Bay. Comploté yo. Garanti. Yo met manger Jovenel. Yo pa plevon pay. Yo bay net yo garanti. Yo met manger Jovenel. Yo pa pleve yo pay. Yo peta ma peti. Effectivement. Yo manger Jovenel. Yon pète pas pété, yon ministre dans gouvernement pas mouri, pas yon nèg même. Mais mon fils Tibal pas mouri. Ou kon sa belle là? C'est après et après assassinat Jovenel bagay la Bible. Nèg yo tellement à l'aise dans système non? Yo dou, même les nous fin tuer Jovenel, ou pas besoin craser corps pour petit Claude. N'a géré ça. T'aime dit nous Tibal. T'aime dit nous. Attendez. T'aimes dis-nous bien. N'est-ce pas de problème avec Ticlode même? Yo tellement de garantie que pouvoir après tomber dans le meilleur après, yo fin assassiner Jovenel. Ah. Nous pas comprendre, nous pas comprendre. Guys, depuis n'est-ce yo te connaît Ticlode, là, yo fin assassiner Jovenel, Ticlode, t'es qu'à faire un bagage sérieux. Yo t'ap manje ti Claude avant même Jovenel assassiné. T'aimerais dire ça me dit là pour tout le monde. Depuis nèg yo te connaît. Ti Claude t'ap manje yo. Ti Claude t'ap fwa tok yo. Vi yo te menacé. Après yo fin assassiné Jovenel premier moun. Yo t'ap manje avant yo manje Jovenel ti Claude. Yon bagay! Yon wè la ka monsieur. Ki fè nèg yo pa pè monsieur. Mal di non deuxième bagay. Nou wè Claude ap mache promené nan tout radio, nan tout télévision. Nou wè Claude ap mache promené nan tout pays. Si nèg yo te conscient, te convaincu que Claude t'ap rete yon bagay sérieux avec Jovenel, Claude c'est nan marron Claude t'ap jodi la. Ah, nou pa konprann. Nou pa konprann sa m ap di la. Eh, nou pa konprann. Nous pas arriver dans niveau mieux là même. T'es prêt à dire ça me dire là. Si Claude,
si nèg yo te koné depuis au finement les Jovenel Claude vio tout fuck up avec Claude. Claude pas capable marcher dans pièce radio, Claude pas capable marcher dans pièce télévision, Claude pas capable marcher à bail discours journée aujourd'hui on t'a manger. Qui raison nous fait pas manger Claude? C'est parce que vous avez garanti Claude pas en menace. T'aimerais dire ça, Ndiago? Pas que vous premier ministre, vous mangez président, chef. Pour le monde qui mange président, là, par là, les chefs, vous chita, pour vous prétendre comment vous allez réagir. Pour vous prétendre l'étaliation, non, mais. T'aimerais dire ça, Ndiago? Si vous êtes premier ministre, je venais le président. Vous mangez, je venais pendant le premier ministre. Non, figuim. Nous voici négat bien dormi. T'aimerais dire ça, non? T'aimerais dire non encore? T'aimerais dire non encore? Ok. Imaginons, je venais nommer premier ministre. Moi, la voix, je suis. Nous sommes chef CSPN. Premier ministre, on est nommé. Je venais le président. Nous, est-ce que nous pensons, avant de prendre un Jovenel, il n'y a pas d'essayer pour l'avant? Pourquoi ils sont posés? T'aimerais dire encore. Bon, bah, nous, scénario. Un dit Jovenel nommé, la voiture pour ça, le premier ministre. Est-ce que vous pensez que, n'est-ce pas fait complot pour manger le président? Ça, vous va manger d'abord. Réfléchissez une seconde. Qui n'est en est dans le pays d'Haïti qui n'a pas de chance manger président pendant le premier ministre? Seulement, j'aime d'abord. Nous caca. Sous-taoué. N'est-ce pas mangé Jovenel pendant le premier ministre? Quand c'est moi qui livre Jovenel. C'est moi qui ça me dit encore. Si nous t'avons, premier ministre, Jovenel, yo mangez Jovenel, pendant premier ministre, ton est boulé, c'est moi qui livre Jovenel. Jovenel mourit, et puis vivant, moi qui livre. Parce que sécurité Jovenel, c'est moi chef CSPN, sécurité Jovenel, c'est dans le même lié. T'es moi dire encore, peut-être nous ne pas comprendre. Nous sommes chef CSPN. Sécurité, tout le monde est dans le pays, là-même. Et moi, chef Conseil de sécurité nationale, dans le pays. Et puis, ils ont quitté ma vie. Ils ont mangé président. Pendant que je mangeais président, posez-la de question. Et puis, viva. Et puis, viva. Expliquez comment faire vivant, président Moui. Premier ministre, président. Expliquez comment faire vivant, président Moui. Expliquez. Maintenant. Si nèg yo pas manger avant de manger président. Si nèg yo pas manger avant de manger président. Nèg yo connaît tout mouri après. Nèg yo connaît. Nèg yo connaît. Depuis yo manger président, ça yo pas manger d'abord, yo mouri flat screen. Nèg yo pas respect. Yo nèg quand comme yo fin manger président même on va dire tout bagage contrôle. Nèg yo pas respect ça non. Nèg yo connaît. Mais il doit être conscient que si nous ne mangeons pas la voisine avant, nous mangeons Jovenel. Si nous mangeons Jovenel, nous quittons la voisine comme premier ministre. Monsieur nous mouille, frère. Monsieur nous mouille. Parce que t'aimes bien. C'est mon deuxième citoyen après président. En dedans, hier. Si vous mangez président. Si vous mangez président, qui garantit que vous ne mangez pas? Ah, nous ne pas avec. C'est votre deuxième citoyen après président. Ou mangez président ou quittez-moi.
qui garantit ou bien que si ou qui t'aime on pas manger et qui garantit que me gagner ou pas manger moi-même. Je suis tellement garanti que je ne vais pas mourir pour me dire tout le bagage sous contrôle. Comment on va dire tout le bagage sous contrôle? Sur qui base, je mange au président, je suis garanti à certitude que je ne vais pas mourir pour me dire tout le bagage sous contrôle. Président, puis que président, c'est le premier citoyen. Il a assassiné. Je vais me remplacer président. Qui garantit que je gagne? Qui certitude que je gagne? Si je ne mange au président, que je ne vais pas manger. Qui moi-même qui vient remplacer président? Et on connaît. Depuis que je suis président, normalement, si je suis allié, président, je suis posé, normalement, réagir, manger les gens. Au lieu de réagir pour manger les gens, je suis assurance que le système est sous contrôle. Je suis président. Je me parle. Je dis tout le monde, don't worry, calmez l'esprit, tout le bagage sous contrôle. Tu m'as dit ça, m'a dit encore. Nous allons poser cette question. Si c'était Ariel, si c'était Ariel qui était pour pouvoir directement après Jovenel Finmouri, tout le monde a dit à clair, pays a tapé sur Ariel, Ariel va pas dire rien sous contrôle. Ah, nous pas avec. Est-ce que nous connaissons? Si c'était Ariel qui était dans plastique l'autre, même le président mourir, Ariel pas d'abjam permettre de vous dire tout bagage sous contrôle. Vous comprenez pour qui raison? Si nous faisons, vous dites pour qui raison, Ariel pas capable de permettre de vous dire ça. Moun qui vous dit bagage là sous contrôle là, c'est un moun qui a confiance. Partisan Jovenel, yo, pour calmer yo. Yo gaz donc guerre. Moun qui pouvait dire tout bagage sous contrôle pour calmer partisan Jovenel, yo. C'est un moun. Que population considérée comme zami Jovenel, en confiance, lui, pour mettre l'an, pour calmer lui. Hein? Nous pas avec. Sur qui base? Ariel t'a dit Peya, tout bagage sous contrôle. Qui est-ce qui t'a coûté Ariel? Qui partisan Jovenel qui t'a coûté Ariel pour ne pas commencer à bouler Peya? Pour guerre civile pas éclater? Qui partisan Jovenel pour Ariel ta vini ta dit tout bagage sous contrôle pour yon pas bouler pays avec tout Ariel? Non, t'aimes dit nous bien moun qui mieux placé pour calmer esprit fanatique Jovenel yo, c'est yon moun que fanatique Jovenel yo quoi dans lui comme allié Jovenel depuis dit tout bagage sous contrôle, tout le monde a d'accord avec elle. Parce que, vous faites confiance à Jovenel. Vous avez dit ça là? Vous n'avez pas besoin de quitter, monsieur, monsieur. Ok, Bill. Ça ne va pas répondre. Vous avez dit ça là? Clair. Je répète. Ariel, pas qu'a dit. Tout bagage sous contrôle. Fanatique. Jovenel, yo ta boule pays à ce qu'on a guerre civile. Mais où est-ce qu'il a utilisé? Yo utilisé yo nèg. Yo connaît que peuple là, fanatique Jovenel, yo, fait confiance. Yo fait confiance. S'il dit tout bagage sous contrôle, tout le monde a fait silence. Regarde. Effectivement, c'est ça fait. Mais qu'on y a là, j'ai tout le monde, j'ai tout Jovenel ici. Comment c'est clair? Yo commence à rendre compte que monsieur, pas jamais allié Jovenel. Yo commence à rendre compte que Claude, pas jamais allié Jovenel. Claude, c'est allié, moun qui te présente tel, pas Jovenel. Mais Claude, pas jamais allié Jovenel. Moun qui te présente Claude Bajovenel là, il vivant toujours. C'est moun qui te présente Claude Bajovenel là. C'est Lick Boss Claude.
C'est pas Jovenel qui bosse Claude. Qui dit bosse Claude. Vous entendez? Et yon n'a pas pour apprendre qu'on est. M'a dit ça là, je dis à la. M'a dit ça là, je dis à la. Claude Joseph par travail pour Jovenel. Claude Joseph par travail pour Bosley. Ok? Et je dis à la, tout Jovenel ici, commencez à rendre compte que Claude te gè propre agenda pâle. Ah, tout le monde commence, j'ai commencé à être clair. J'ai commencé à être clair. J'ai commencé à rendre compte que Claude, t'es un agent d'appel. Claude, tellement t'es un agent d'appel, qu'on y a un négo rendu compte que Claude n'a pas de jambes de problème avec classe politique. Et moi, je dis à Mdia. Tout journée, Lissio. Rendez-vous compte, je ne le dis, que Claude Joseph n'a pas jamais de problème avec la classe politique qui mangeait Jovenel. Il y a des amis qui relèvent. Les amis ont dit, prof, je ne comprends pas. À part moi, Claude. À part moi, Claude, al chita sur même table avec Assad Volsi, qui t'a brûlé, fait manifestation, qui t'a assassiné caractère. Jovenel Moïse. Comment fait Claude Joseph Alchita avec Assad Volsi, qui t'a assassiné caractère Jovenel Moïse pendant ce temps? Si Claude a pédé dit, oh oui, il a assassiné caractère Jovenel Moïse. Dis, monsieur, c'est où est Claude ou pas Claude? Dis, monsieur, c'est où est Claude Joseph ou pas Claude Joseph? Ne dis, c'est pas avec Assad seulement Alchita. Claude Gébou fait alliance avec tout nos monde nous t'en cité dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Parce que vous n'avez pas Claude comme on est qui danger. Mais c'est pas ce que c'est d'après. Là, monsieur regardé dernièrement lui. Il dit, oh prof, à pas moi Claude sous même table avec Linde Baltazar dans la conférence de presse. Il dit, oh prof, et bien, l'île de Baltazar, PHTK, qui a dit, qui parle de notre manger, Jovenel Moïse, il dit, ou rien. Il est là. Hein, ou te saisis la chita avec Assad Volsi, qui t'a assassiné caractère président. Quand il y a là, ou pas saisis en rien, parce qu'on va chita avec l'île de Baltazar. On dit, gardez mon qui est sous table là. L'île de Baltazar, il me rébu. On dit, gardez bien mon qui est sous table là. On dit, prends ça, gardez mon qui est sous table là. Si nous, ok, si nous te suivons, bah ça, bon non, moun qui te sous table là. La conférence de presse à table. La monsieur dit moi oui, nous dirait de l'oral de négocier. Premier nèg qui prend chita pour négocier pouvoir avec Ariel Henry, lire le Claude Joseph. Sous deux Joseph. Monsieur dit ça, dit moi, nous dit t'aimes d'où bien. Nous dit premier nèg qui prend les chaises pour chita. Négocier pouvoir sous deux Jovenel avec Ariel Henry, lui et Claude Joseph. Monsieur Dio, ça dit là, on dit on George. On dit on suit. Tout le monde dit, Claude Alpalé, Claude Alchita avec Claude Alchita dans le studio radio avec Assad Volsi. On dit ça pour rien là, ce n'est que le commencement de la douleur. Au prof là, mon cher de guérison, mais Claude Alchita la baye conférence avec Linde Baltazar. Nous dit, ça va gâte là, poko anye, ça ou est là, poko anye, ça ne prend rien là, pape jamanye, jojo de mi, jojo dormi de yo. Les Claude Alchita avec, à cette fois-ci, les gars, oui, c'est politique, fanatique Claude, oui, c'est politique. Nous dit, ok, nous dit, ok, c'est politique, ça c'est numéro 1, nous poko anye, c'est politique. Ok. On y a la Claude, Alchita sous même table, conférence de presse. Même table, conférence de presse, avec Linde Baltazar. On y a, on dit, oh, prof là, ça date, on dit, son wap ouè là, poko anye, sa wap gad là, pako anye, sa pral gè là. Oh, dernièrement, on y a l'aim,
Oh, prof là, avec l'autre sorti, dans Montana, dans Réunion, agir sous table négociation, pouvoir à Ariel. Moi, dis ça, quoi, là. Dis, monsieur, so, abgad là, li pa bra l'anye, so, fait, quoi, là, li boko anye, sa, quoi, l'anye, là, li wal fe anye. Ou boko anye, ou boko kontak Claude là. Nous boko jam, kontak Claude Joseph là. Toute discussion, ou dans des cas fait là, yon poste ni besoin. Pour Ariel Giril. Tout parle en pile, négociation, à un poste, les besoins. Ça, c'est son poste, Claude Joseph besoin. Claude Joseph, c'est premier nègre qui te dit, tout fanatique Jovenel Lisio, quitte Ariel en repos, les Ariel te quitte Claude Joseph, ministre affaires étrangères. Oubliez, elle garde de vous, mais c'est ce qui m'a fait. Les Claude Joseph finit par Ariel pouvoir. Ariel dit Claude, donc oui, il y a Claude comme ministre affaires étrangères. Claude, il y a un problème à Ariel. Est-ce que Claude a un problème à Ariel? Qui est-ce qui te campé, qui te dit tout le monde? Nous n'avons pas besoin de quitter Ariel dirige pays. Et pas Claude? Et pas Claude qui te campé dans la radio, dans la télévision, il dit pour le Jovenel Lisio, accorder, faire Ariel confiance. Regarde le billet. Ça n'a pas là, pourquoi rien, ça nous est là, li va bien rien, ça nous est là, li va là. Gabi, m'a dit nous ça, on dit qu'il est. Moi, pas de différence. Entre qui assassiné Jovenel, yo, classe politique, ça y est, Claude Joseph. Depuis le moué, yo assassiné Jovenel. Et puis Claude, a marché dans la radio, dans la télévision, en tant qu'on est qui était premier ministre Jovenel. Yo assassiné Bossou. Si yo assassiné Bossou. Tout le monde a pensé que vous allez manger Bosso. Bon, attendez. Tu me dis ça encore. Moun pour classe politique là, t'as pipé. C'est Claude Louis, qui soit disant allié Jovenel. C'est à Claudio qui a les yeux. Ah ouais! Babouille! C'est à Claudio Joseph qui a les yeux. Bon. Qu'on y a là? Qui s'en a dit de Tigui? Pour quelle raison nous pensons tout le monde? Tout fanatique Jovenel Lisio. Rémi Guy Philippe. Pourquoi ils ont passé tout le monde qui était un coup, Rémi Guy Philippe. Ils ont commencé à rendre compte que si Claude Sombo fait, il va mettre espoir dans Claude. Ah, aïe, papou. T'es prêt à dire ça, Dioko. Tout fanatique, nous donne des cap bat bravo, fanatique Jovenel, nous donne des cap bat bravo, d'Aïe Guy Philippe. Tout le monde qui Philippe est en prison. C'est dans des articles de c'est des articles de papa Chay. Attendez. Oh, article de papa Chay! Article de papa Chay! M'a suivre. C'est ça qui Philippe a brûlé prison. Qui Philippe a brûlé prison. Chaque convi nous dit Ticlot Zomblo fait lire. Ticlot pas déchaille! Ticlot dédé! Ma suivre! M'dio Ticlot Zomblo fait! C'est la farine Ticlot n'a pas de yo, pas quoi? Oh Ticlot pas voyer, y'a l'allée, m'dio qui livre! Vetele! Oh Ticlot pas voyer, y'a l'allée! M'dio n'a qui livre, tant de yo! Allez, chers ou chita! Gardez! Oh! Ticlot lié! Si tu n'as pas le voyage qui finit par me dire c'est ça. Je me dis, bon, les chaises, je vais suivre toujours. Pour moi, qui l'aime, c'est Bral, qui l'aime, c'est Bral. Les regardez. Yo, Ticlot, c'est 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 Tic
Au président assassiné, mais quand l'on va vous dire, son petit costume qui se lit, et oui, 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 tu crois pas mes chailles, tu crois pas mes chailles, moi-même, c'est ça, mais, journaliste dit, mais gars, caca, mais qui ça nous plaint là avec, avec Ticlode là, pourquoi comprendre, Ticlode, oui, 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 chita, on y a, on commence à mettre quelque chalet. Je dis, regardez-vous, tout ça va nous faire manifestation. Si Claude, c'est la radio, la télévision, sur Internet, c'est l'alba, les éléments. Les Ticlode vont me battre comme chalet. Moi, je dis, Ticlode, pas mettre la tête. Ticlode, t'en Ariel. Ticlode, t'en Ariel, pour aller côté Ariel, pour aller aux Nations Unies. Et puis, Ticlode dit, Ticlode descend. Voilà, Ticlode, pour Ticlode de série, oui. Oui, nous parlons d'Ariel. Je suis là, sur le grand écran, ma petite Ticlode, tu parles d'Ariel. Oui, Ariel, Ariel, monte à avion. Ariel, allez. Allez, Nations Unies. Et puis, Ticlode. Oh, tu crois pas mes chailles, tu crois... Ah, tu crois ton Ariel monté à l'avion. Elle va être fou là, il a rendu l'avion. Tu crois... Elle va être fou là, il a rendu l'avion. L'île ton Ariel, allez. Allez, Washington. Et il va aller, oh, yeah. Bon, tu crois pas mes chailles. Il va aller à Ariel, il va aller à Ariel, il va aller à Washington, il va aller à Ariel. Et puis, les jeunes, il y a dans la tête pété. Quand tu crois pas mes chailles, tu crois pas... Bon, ouais, mais. Et on a pas plaisir, David, là, non? Cognac là. Partisan, fanatique, j'aime, y'a pas de comprendre game, là, d'où y'a pas de comprendre Ticlode. Y'a pas de comprendre Ticlode. Cognac. Y'a dit, mais, ah, Ticlode, son rancé. Y'a qui commence à prendre compte que Ticlode, son bluffé. Ticlode, son rancé. Ticlode, son bêtise. Ticlode, il a pris un juge. Parti politique, il a promouvoir. Gonna qui dit, quoi, là, oh. Prof! Mais moi, Ticlode. Des partis politiques, il n'y a pas des gens qui viennent dans les partis politiques. Nous disons que les partis politiques. Oui, aidez. Nous disons que les partis politiques, il n'y a pas des gens qui viennent. Il s'est dit, oui, si vous avez un paquet de gens qui viennent aider, nous disons menti. Nous disons, je vais vous dire, quittez-moi de descendre dans le pays. Moi, j'ai 50 ou 60 millions de dollars. Et puis, mettons parti politique sous pied. Nous avons 1 million là. Dans l'espace de 1 an, tout le monde qui est inscrit dans le parti politique, nous aider, tout à venir nous. Nous disons, ok, vous allez aider. C'est un monde qui a cherché opportunité, qui a cherché opportunité, qui a recruté premier ministre, qui a recruté des contacts, qui a la guerre dans le conseil d'un ambassade, qui a monté pour la clope. Vous allez aider? Nous disons qu'il a 60 millions de dollars à me descendre dans le pays. Et puis, quand on commence là, j'entends de là, on commence à bâtir, activité, on commence à bâtir notre petit commune, la petite copie, on fait activité, pour manger, dire, à quoi. Et puis, mettez maillot sur moi. On dirait, toi, après, tout le monde a maillot sur nos autres. J'ai dit, ça, dit, là, on vient 6 000 dollars par dans cette zone là. Tout le monde qui a maillot vert, Ticlode sur vous là. On n'y pas là, vous font vieux chaudier d'iri à poids avec l'huile. Ou maillot avec, vous mettez maillot sur vous là. Tout le monde qui a maillot vert photo. Et vous entendez la guerre sur Facebook. Ou qui est parti politique. Regardez. Oh, parti politique. Il y a parti politique. Il y a une idéologie parti politique, Ticlode là. Qui idéologie là? Ce qui base l'idéologie parti à fondé. Mais allemand de yon allemand de yon ce qui base. Quand il idéologie, ah, bah, blanc, ouais, oh, ouais, tout le monde, arrêtez là, ouais. Tout ça, qu'a fait cinéma, ou là, des articles de là. Je dis, monsieur, allez faire exemple, ouais. Gardez, ouais. Les manifestations. Ticlode a fait manifestation. Écoutez, j'aime, ouais, en pile. Mais les Ticlode a fait bagaille dans hôtel. Tout vicieux, ouais, maillot, sur le rachat de hôtel. Pour autant de Ticlode. Son jeunesse vicieux. Mais c'est du coup, là, ça me fait, oh, j'ai 60 millions, m'entraîner dans le pays, qu'on y a lancé belle barre officielle, au prix qu'on y a rencontré nous, dans Montana, bagaille, nous va faire gros rencontre dans Montana. Juste, tout le monde a porté bourré, on va mettre, ouais, c'est quoi, c'est quoi là, on peut porté bourré là, baillot maillot pour y apporter, puis surtout derrière la photo, les peuples envahis, tout le monde a baillé. Et si vous voulez un petit coup, un petit baillot manger, on a espoir, un sinistré. Son peuple qui revient sinistré. Son peuple qui revient sinistré. D'ailleurs, on va y avoir sinistré là, on prend la rue. Gagnez des bagailles pour contrôler. Vous menez peuple ça. Sinistré avec la de vous m'appelez ça des bagages à yo y a pris la rue pour sinistré avec la ra soit de la rue tout à pour la rue ou à mettre maillot sur yo et vous y a pris les vivous
Vivou, c'est italien, bon gars, ma bataille pour lui, c'est si c'est là, ou bah y'a un petit vacabon petit com, ou bah y'a un petit groupe vacabon petit com, et puis tu vas commencer à taper devant la radio, devant la télévision, oh oui, bah mourir pour eux, bah blablabla, c'est Michel Yé, regardez, la coupe est en tête, allez, pas que vous ne pouvez, tu clopes à la chaîne, n'est-ce pas besoin de venir ou bien, ou bah y'a un petit com là, ou bah y'a un 500 gouttes, ou bien bah y'a un 15 gouttes, ou 400 gouttes, et puis il parle pour le parler devant la télévision, devant l'écran, n'est-ce pas avec ti caméra, ti journaliste, et tu sors pas c'est des, non, regardez, c'est comme ça que ça vous vive. C'est là qu'il était politique. Oui. C'est comme ça vous vive. C'est pour parler de votre télévision. Parce qu'il faut parler de votre télévision pour vous montrer que vous faites travail là avec Ticobla. Ticobla, il faut montrer que vous travaillez pour lui. Là, on n'a pas parlé de votre télévision. Ou on n'a pas dit. Mais il y a blanche. Moi-même, c'est ce qu'elle nous a passé. C'est un délire. Son gars qui était politique. Il y a un Ticob. Pour justifier Cobla, il paraît devant toute caméra. Après ça, le chita, là, le mangeons à l'équin. Après ça, le chita. L'almojon vient à l'équin. Eh bien, il fait travail. Il fait travail. Mais de quelle différence qui gagne anti-Claude et Guy Philippe? Les peuples ont gardé lui. Les journalistes, ils vont faire anti-Claude confiance. Anti-Claude, c'est fou là. Ils ont gardé Mouskadé. Ils ont dit c'est Mouskadé lié. Ils ont aimé Mouskadé. Mais les Mouskadé, ils ont Mouskadé pour qu'on prenne pays. Niveau Ariel Ali, parce que Mouskadé a travaillé pour Ariel. En tant que CG. Quand il y a, n'est-ce pas, nous dit bon, si Claude Jean Blou fait, Mouskadé n'est volonté, mais l'imari dans pied l'État, celle n'est qui était là, c'est Guy Philippe. Celle n'est qui était comme l'espoir. Je venais d'ici là, c'est Guy Philippe. Celle qui. Mais t'as un problème qui posait. Qui ça qui va faire? Est-ce que c'est mouvement général, soulèvement général? Ou bien est-ce que c'est révolution? Sauf une analyse du discours. Dans le discours que Guy gagne. Ou après Guy Philippe, en quelque sorte, il est situé entre deux bagailles. Le discours monsieur est situé entre deux formes de violence politique. Li, soit qu'a débouché sur une sorte de soulèvement général, ou bien il débouché sur une révolution. Mais est-ce que Guy Philippe a fait une révolution? Nous connaissons Guy Philippe qui a fait une rébellion. Parmi. Guy Philippe, son stratège, Guy Philippe, une capacité d'organisation, de mobilisation. Mais est-ce que Guy Philippe a fait une révolution? Il y en a une raison qui fait, nous ne pouvons pas dire Guy Philippe qui a fait une révolution. Même les, que toutes les conditions réunies pour une révolution. Premièrement, c'est que l'homme va faire révolution, on va dire, c'est pas un bagage ou parler. Guy Philippe, posture libre. Hein? C'est une posture de soulèvement général, c'est une posture de révolution. Deuxième bagage, c'est que dans le discours de Guy Philippe attaque Saint-Omio. Il parle, il attaque l'insécurité, il attaque la corruption. Et monsieur va attaquer maître système. Non. Je vais parler de maître système. Non. Je vais parler de groupe, en quelque sorte, Milaxi ou Libanais, Blanc qui contrôle le système. Ceci étant dit, troisième bagage qui fait un bagage de révolution, c'est que c'est appel de Philippe. L'a fait révolution, pas faire appel avec peuple, pour le soulever. L'a fait révolution, ou pas faire appel avec ni la police, ou pas faire appel avec ni l'armée, ou pas faire appel avec ni pièce, groupe, qui est attaché avec l'État. Parce que, objectif, y a une révolution, le contraire, avec force régalienne qui est en place. Ça va me dire, on est qui la police, pas qu'à intégrer une force révolutionnaire. Ça va me dire autant on est qui dans militaire pas qu'à intégrer une force révolutionnaire. Ça va me dire autant il y en a qui dans ça pas qu'à intégrer une force révolutionnaire. Moi même à parler de façon classique, générale, loi foi révolution contre un système ou pas qu'à prendre outils système là pour utiliser contre lui. Pour organiser une force révolutionnaire, faut réfléchir avec outils qu'on va besoin. OK? Est-ce que ou à former une force armée, ou à besoin de financement, ou à besoin de ressources, armement, et ou à besoin au-dessus de tout, ça nous relie à idéologie. L'organe est tout, ok, l'organe, vous n'avez pas compris, c'est toute classe sociale qui fait, non, toute classe sociale, va jamais confondre ensemble.
Parce que je suis structuré dans la société. Révolution, révolution va faire avec couche sociale. Ça, c'est une vieille conception sociologie politique que ont enseigné dans les universités occidentales. Ça fait l'argent marché. Ça, c'est confondre soulèvement avec ça, les révolutions. Couche sociale, l'on dit couche sociale. L'on parle de couche sociale, mot couche sociale là, n'est pas compatible avec concept révolution. Tout est dit classe sociale, n'est pas compatible avec concept révolution. Parce que t'as pas parlé de lutte des classes. Mais le jour dit couche sociale pour révolution, n'est pas vrai parce que y'a pas de même intérêt. Révolution fait de yon classe qui conscient contre la classe qui a dominé. C'est ça la révolution. L'on dit couche sociale mettre ensemble, ça va jamais faire parce que intérêt au divergent. Comment on va mettre ensemble si intérêt au divergent? Yo classe sociale, c'est une classe qui est conscient de intérêt. Il y a conscience de classe. C'est ça ou classe sociale? Couche sociale. C'est inventé. C'est l'Occident qui a inventé le concept couche sociale là pour faire dormir. Qui s'en veut des couches sociales? Terrence! Et bah, t'es couche sociale, ta couche sociale là. N'a répété, vieux concept. Qui intérêt au couche sociale gagné? Soit faut sociologie politique en Haïti. Là, dit couche sociale. Identifiez couche sociale au moins. Qui couche sociale ou bien? Identifiez-vous. Ça veut dire, là, pour faire une bonne analyse d'abord, faut peser concept, oui. Faut peser concept, yo. Faut regarder, est-ce que concept, yo, solide? Est-ce que concept, yo, pas misguide? Est-ce que yo, pas utilisé, yo, pas construit concept, ça, pour capable, faut faire fausse route? C'est ça, yo, relais, ou vin biaisé au niveau conceptuel. Parce que concept, quoi, utilisé, yo, concept, ça, yo, pas clair. Ce sont des concepts qui flouent, qui n'ont aucune correspondance dans la réalité socio-économique. Tout du coût social, identifiez un coût social, vous-même. Et puis, dis-moi qui est intérêt. All right. Maintenant, ouais, Carole dit que c'est classe sociale. Voilà, classe sociale. Mais problème, concept classe sociale là, dans la conception marxiste. Lorsqu'on dit classe sociale, pour parler de classe, c'est une catégorie de un groupe qui a même intérêt et yo conscient de intérêt. C'est une conscience de classe. Yo appartenu à un groupe qui est conscient de tête. C'est ça, Marx relé classe sociale. Et deuxième bagaille, Marx parlait de lutte des classes. Parce que intérêt yo divergent. Puisque les intérêts yo antagoniste, des fois, yo entré en contradiction. Yon groupe qui possédait, abdominé, groupe qui pas possédé. Yon groupe qui a moyen, qui a contrôle moyen, en classe qui a contrôle moyen de production, a exploité leur classe là, que Karl Marx est la classe prolétarienne, classe qui pas gagne ressources, celle-là qui en amène, c'est ça où les forces de travail, c'est lui-même la vente avec classe dominante là, qui c'est classe capitaliste. D'où Karl Marx considérait deux classes ça antagonistes parce que yon gain intérêt yon divergent. Et c'est ce que tu as dit, on va entrer dans lutte des classes. Mais il faut que classe prolétarienne là, gain conscience de classe là. Et yon nan bagay, Max, tabal bat pou éviter. Là, il parlait de conscience de classe là. C'est pour ça yon les classes moyennes. Effectivement, Max te getan anticipé sur les intellectuels capitalistes qui pral inventer yon la classe intermédiaire comme écran que yon la classe moyenne. Et c'est classe moyenne qui fait que pas qu'il y a une révolution en dedans société capitaliste. Classe moyenne. Parce que classe moyenne, c'est une classe qui pas de conscience de classe. La classe moyenne, il trouvait un peu la classe et prolétarienne, Max là, et classe dominante là. Classe moyenne, c'est le plus dangereux. Ok? C'est le plus dangereux. Parce que, en réalité, j'ai un camarade là, dit là, ok? Il pas d'existence, oui. Si il y a une existence, pour t'aider les classes, faut t'a gagné, faut t'a conscient de l'intérêt. Mais en réalité, il n'a pas d'intérêt économique. Mais en réalité, classe moyenne est conscient. Il est conscient que le pape, j'aime collaborer avec PEP pour lever compte classe capitaliste. Parce que la classe moyenne est fille de la classe capitaliste. Il n'y a pas qu'à lever compte, mettre lui. Qui a accouché la classe moyenne, c'est eux même qui a accouché. Ils ont pas aller contre lui. Ils ont là pour jouer au écran, pour barrer route à toute forme de révolution dans la société. Elle a dit faut bien maîtriser concept yo, parce que si on pas maîtriser concept yo bien. Et depuis hypothèse de départ là, depuis a priori, depuis base conceptuelle là pas solide, qui pas bien chita, pas clair, des flou, des confusion au niveau conceptuel, c'est normal pour résultat ou bien conclusion, il faut c'est parce que cadre référentiel ou base conceptuelle ou n'est pas solide. C'est là qu'il faut faire très attention avec choix concept à utiliser lors à fond débat. Lors d'un cadre de débat, faut toujours faire très attention avec choix concept à utiliser parce que concept n'est pas neutre. Les concepts ne sont pas neutres. Que ce soit concept abstrait, que ce soit concept concret qui est correspondant dans la réalité matérielle, n'est pas neutre. N'est pas neutre. N'est chargé de sens. N'est chargé de sens. Alright, so faut faire très attention là, faut analyse conceptuelle, ok? Pour bien faire analyse conceptuelle, yo, de façon à ce que pour qu'on ait qui usage ou doit faire de tel ou tel concept, dans quelles circonstances, dans quelles conditions que m'ka employer tel concept comme outil mental opérationnel pour m'capable inscrire tête moi, démarche moi, argumentation ou perspective ça m'a fait là, défendre tes points. Maintenant, ceci étant dit, à partir de ces éléments, ok? À partir de ces éléments, est-ce que nous capables parler de révolution avec ça, Guy Philippe a fait là?
Mboko wè signe pour me parler de révolution. Moi wè signe des indicateurs pour me parler du soulèvement général, le plus souvent qui pas contre le système, mais qui plutôt contre ça y aurait et Ariel. OK? Et il y a un bagage qui est important. Il y a un bagage qui est important. Pour me dire nous est-ce que si poser cette question. Qui vrai problème pays d'Haïti? Si vous dites insécurité, vous êtes mon gifou. Si vous dites corruption, vous êtes mon gifou. Si vous dites Ariel, vous êtes mon gifou. Un, insécurité pas commencer Ariel. Deux, corruption pas commencer Ariel. Grand goût pas commencer Ariel. Misère pas commencer Ariel. C'est-à-dire que si on t'a dit que c'est Ariel qui problème, non, c'est pas vrai. Ariel, c'est un élément dans le problème. Non. OK? Parce que Ariel barre route, peut-être qu'il a constitué un obstacle. Pour vider le système dans la tête. Mais on réfléchit plus profond. Si je me lève matin là, nous retirons Ariel du pouvoir. On dit nous retirons Ariel du pouvoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le vivre Guy Philippe encore? Est-ce que Guy Philippe a pas fait soulèvement général encore? Nous sommes fondamentales. Où est la question? J'anticipe. J'anticipe. Il n'y a pas de parler de révolution. Ni soulèvement général. Ça me voulait poser comme question. Si le système n'a pas Guy Philippe est sérieux, si le système n'a pas Guy Philippe sérieux, n'est-ce pas la faire? L'a déplacé Ariel pour qu'elle résiste. Elle a dit que ça l'a fait. L'a fait Ariel tourner en bouc émissaire. L'a liquidé Ariel. L'a liquidé Ariel. Tout le monde va le faire. Si le système n'a gardé l'ouest, c'est Ariel qui est problème, non, pour nous. Et lui-même, il a besoin de survivre. Il a besoin d'exister. Qui ça l'a fait? L'a liquidé Ariel. Et puis, qu'on y a, Guy Philippe pas besoin de marcher dans le pays encore. Qu'on y a, Guy Philippe, si Ariel va sous pouvoir, ça, Guy Philippe va le marcher. Ton pays politique, il va le mener pour l'élection. Qui ça va le marcher? Qui ça va le faire? Il y a un pile monde là. Qui marche, qu'après les vivre Guy Philippe, c'est parce qu'il y a un problème à Ariel, mais pas parce qu'il y a un problème au système. Il y a un pile monde là qu'après les vivre Guy Philippe, c'est parce qu'il y a un problème à insécurité, mais c'est pas parce qu'il y a un problème avec système. Il y a un pile monde là qu'après les vivre Guy Philippe, c'est parce qu'il y a un problème avec corruption, mais c'est pas parce qu'il y a un problème avec un système qui l'a depuis plus passé 200 ans. Il y a un pile monde là qu'après les Guy Philippe, vivre Guy Philippe, c'est parce qu'il y a un mais à l'Haïti, à manger poisson boucané. Il y a des gens qui veulent fuck about système. D'ailleurs, il y a pas même contre son système même. Et 90% monde là qu'après les vivre en dedans là, qu'après marcher de Guy Philippe. Yo, yo, pas contre qui ça, Guy Philippe voulait bataille contre. Mandez qui ça y'a voulu, Guy Philippe fait. Je pas connais. Mandez ok, Guy Philippe a bataille contre le système. Mandez qui yes, qui met le système, je pas connais. Mandez qui ça système, non, yé, je pas connais. Mandez qui, pour yo là, c'est Ariel qui système. Donc, pile moun, qui applaudit là, c'est Ariel qui système, non. Yo, pile moun là, qui applaudit. Tout problème, non, y'a problème système, c'est insécurité de problème, non. Yo, pile moun là, c'est corruption de problème, non. Alors, tout bagage, c'est phénomène, yo. Ni Ariel, c'est phénomène, ni insécurité, c'est phénomène, ni et corruption, c'est phénomène. Mais là, du système, c'est l'autre bagarre. Si, révolution pas faite pour amateur. Révolution pas faite pour amateur. Révolution pas parler dans la radio. Révolution pas parler dans la télévision. Révolution pas faite, pas parler dans, pas discuter sur les réseaux sociaux. Révolution pas marcher dans tout pays, pas bagage non. Dans coin pays non, la révolution. Révolution sont bagage qui spontané. Les planifier, mais l'elle fait, il fait de façon spontanée. Moun pas connaît, moun pas même conscient de ça. C'est reto ouais, boum, révolution. Parce que c'est toujours un noyau dur qui décide d'une révolution. Un noyau dur qui est conscient, un noyau dur qui réfléchit, un noyau dur qui a réfléchi à une nouvelle société, à une nouvelle ordre social, comment? Un noyau dur qui pas vle système ça là. Qu'a réfléchi à un système alternatif, un autre système, qu'a réfléchi sur qui moyen va l'utiliser pour vider des systèmes à la tête. Ça, noyau dur, ça, c'est le cœur de la révolution. C'est lui-même qui va le tourner gouvernement de transition provisoire de la révolution. C'est lui-même, en quelque sorte, qui va le tourner le comité central pour consolider la révolution. La révolution, les paroles vont bon matin, on va au micro et puis le temps de marcher a fait sensation. La révolution, il va nous confondre révolution et mouvement. OK? Il y a un mouvement, il fait phase, il fait partie de phase préparatif, dans conditions pour gagner une révolution. Par exemple, dans la colonie, il y a des mouvements. Mouvement des colons, mouvement des affranchis, mouvement des esclaves. Il y a des mouvements. Mais un seul mouvement, il quitte phase mouvement, dans la dynamique, il passe à phase pour l'accoucher, révolution. Mouvement des esclaves. Mais puisque c'est un mouvement, le dit, l'elle vient accoucher révolution. Quand il n'y a pas réfléchi avec après révolution. Ce qui fait que il va accoucher révolution, hein. Il met l'État impérial en place. Maintenant, les contradictions internes, ok? Les contradictions internes avec
C'est lui-même, en quelque sorte, qui... Ben, la révolution, Young dit selon Marx, la révolution est une nouvelle ordre mondial. Oui, Caleb m'en disait. Oui, en quelque sorte, mais faut pas mélanger, Bayo. Révolution, c'est outils pour accoucher ordre social là. Il faut pas confondre la finalité avec le moyen. Okay? Le moyen par lequel pour accoucher ordre nouvel ordre mondial là, c'est la révolution. Ouais? C'est la révolution. Et ordre social là, lui-même, c'est nouvelle ordre social là. C'est finalité, c'est le but recherché. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Maintenant, pour me conclure, est-ce que non, ça n'a pas assisté avec du Philippe Blanc, comme dit Bonheur toujours, est-ce que nous avons parlé de révolution ou bien de mouvement général? Moi-même, d'après toute analyse que je fais là, d'après toutes données que je gagne en attendant, je suis capable de dire, Guy, il est plus sous une route de soulèvement général que sous une route de révolution pour accoucher un nouvel ordre social. Je dis merci. C'est un plaisir de vous dire là. Remets-nous en pile. M'espérer, en quelque sorte, que nous passons un très très bon moment ensemble. M'espérer que nous t'es, en quelque sorte, puisé dans ces chances-là. Ouais. Et nous disons quand même. Je m'a dit que tout samedi, il est exhaustif. Je m'a dit tout samedi, c'est ça le doyer. Je m'a dit tout samedi, c'est ça. Il y est. Mais cependant, je présente point de vue par moi, je présente compréhension par moi, à partir des outils. Des éléments que nous avons même, nous faisons une analyse pour nous au moins capables d'avoir une idée de qui ça nous respecte et attendre de ça que Philippe a fait là. C'est ça que fait là, je dis là. Et moi salue nous dans ce sens là. Mais espérons nous-mêmes nous utiliser l'autre moyen par nous. Bon? Si nous avons d'autres formes de connaissances, si nous avons accès à d'autres données, si nous avons accès à d'autres éléments, nous sommes capables d'intégrer l'autre élément ça dans l'analyse là. Et puis nous sommes capables de tirer en quelque sorte propre conclusion par nous par rapport avec la conclusion préliminaire que nous sommes là pour aboutir à là. Monsieur, c'était passé bonne fin de journée. Vraiment, nous avons pile, beau salle, une fois, beau salle tout le temps. Ciao! À mon prochain.